Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. On se retrouve tout simplement pour l'amélioration du pouvoir du tigre. Donc je vais vous montrer un petit peu les avantages de ce pouvoir parce qu'il est vraiment très puissant. Pour moi, c'est le deuxième plus puissant des quatre, donc je vais vous expliquer un petit peu les autres après, mais pour le moment, je vais vous parler tout simplement du pouvoir du tigre. Donc déjà, il faut choisir un pouvoir. Donc pour ça, je vous mets une petite annotation à droite si vous ne savez pas faire. Je pense que maintenant, tout le monde sait faire avec le dojo, mais au cas où, si vous ne savez pas faire, je vous invite à aller voir tout de suite en haut à droite. Ça dure 2 minutes, c'est vraiment très rapide, n'hésitez pas à y aller. Après, vous revenez sur cette vidéo. Donc pour cette vidéo, il faut commencer par faire 15 kills au corps à corps avec votre pouvoir. Donc ça, vous activez votre pouvoir, vous savez, vous buvez tout simplement la petite gourde pour avoir votre pouvoir. Donc vous, avez 15 kills à faire au corps à corps, et une fois que ces 15 kills sont faits, eh bien vous allez avoir un shuriken dans les mains, vous allez le lancer avec votre touche de grenade offensive, donc c'est-à-dire R1 sur PS4 et RB sur Xbox. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un problème, c'est que votre pouvoir va être fini, et donc vous allez devoir attendre la manche suivante pour reboire dans la gourde. Donc une fois que vous aurez fait ça plusieurs fois, dès que vous avez plus de pouvoir, vous avez juste à attendre la manche prochaine pour avoir une nouvelle fois la gourde, ou alors attendre très longtemps sans passer la manche. Mais bon voilà, faut attendre, c'est vraiment un délai très très long, donc autant essayer de passer la manche. Vous avez encore du pouvoir, vous faites vos 25 kills au shuriken, c'est assez rapide, donc avec votre grenade offensive. Une fois que ces kills sont faits, vous allez pouvoir passer à la troisième étape, qui est celle du pouvoir. Donc ça, c'est avec votre touche de grenade spéciale, donc c'est-à-dire la touche L1 sur PS4 et la touche LB sur Xbox. Donc ça, vous faites des kills au pouvoir, c'est 50 kills, mais c'est très rapide. Et une fois que ces kills sont faits, vous allez voir, ça va générer donc un espèce de tigre, d'emblème du tigre, et qui va aspirer les zombies. Une fois que vous aurez fait 50 kills avec ça, vous aurez le pouvoir à activer avec L1 et R1 en même temps, qui est un gros choc sur le sol. Vous allez voir, c'est vraiment stylé. Donc moi, personnellement, je trouve que le tigre, c'est le deuxième meilleur pouvoir. Le meilleur pour moi, c'est le dragon. Donc je vous mets une petite annotation tout de suite en haut à droite si vous voulez voir comment faire le pouvoir du dragon. Et n'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo est donc terminée. Je vais faire plusieurs autres vidéos sur les pouvoirs, sur les secrets de cette map, donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Je mettrai plusieurs liens vers d'autres vidéos, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.